Le titre du disque, c'est Le Chanteur, parce que j'emprunte ce titre à la chanson très belle de Serge Lama et Alice Donna, et qui représente un peu ce que je suis aujourd'hui, puisque moi, quand je me balade dans la rue, souvent on me dit « Ah tiens, c'est Le Chanteur ». Voilà, j'ai un peu ce surnom du chanteur. Le premier jour, nous avons perdu 5 heures. Les cigales étaient tellement déchaînées, elles sont très 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 fortes. Ici, nous sommes à La Fabrique, qui est un studio légendaire, mais aussi d'une beauté incomparable, avec une collection de disques de 240 000 vinyles. C'est impressionnant. L'anecdote, c'était ça. Ces cigales qui nous ont embêtés le premier jour et qui, en fait, aujourd'hui vont nous aider, puisqu'on va les sampler et l'utiliser dans la chanson. C'est un répertoire que j'avais envie de faire depuis très 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 longtemps. Je suis fan un peu de musique du monde. Je suis aussi fan de jazz, de swing, de jazz manouche. Et j'adore la guitare. J'ai moi-même joué de la guitare enfant. Et voilà, donc c'est un instrument qui m'a accompagné toute ma vie. C'est grâce à la guitare que j'ai réussi à m'exprimer. Et étant très timide, ça m'a permis ensuite de chanter devant les gens. C'est la première fois que je vais faire un disque totalement de chansons françaises. Il était temps, enfin, de faire aussi la musique de chez moi, avec une petite nuance, avec les musiques du monde qui ont influencé donc, cette musique française et qui, aujourd'hui, font partie intégrante de l'identité française. Comme par exemple Enrico Macias, où on a de l'arabo-andalou, avec la chanson « J'ai quitté mon pays », où là aussi, on a mis notre touche. J'ai voulu aussi rendre hommage à la chanson cubaine et sud-américaine, et américaine aussi, puisque c'est Josephine Baker qui chantait cette chanson Mayari avec le groupe La Cuena, donc le groupe cubain. J'ai choisi ma fille la plus grande, cette fois-ci, Ornella, qui va endosser le rôle de l'esclave, avec cette voix fragile comme ça, et moi je ferai toutes les voix que faisait le groupe La Cuena. On a un voyage qui continue, bien sûr, avec la communauté gitane, qui a apporté énormément à la musique française et au jazz manouche, hein, à partir de Django et Birelli et Lagraine et tout le monde, et aujourd'hui une grande star comme Rocky Gresset, qui est fantastique. À chaque fois qu'il joue, on est émerveillé parce qu'il improvise et c'est toujours de plus en plus beau et de mieux en mieux. On oublie complètement la technique pour se laisser aller à ces cascades de notes d'une bravoure phénoménale. Et voilà, donc je suis ravi de l'avoir dans ce disque, comme tous les autres musiciens, bien sûr. Ensuite, on a la fameuse chanson « Domino », qui est une chanson très, très jolie que tout le monde connaît, hein, sur un couple qui se déchire. Et là, encore une fois, je fais intervenir ma fille Malena. J'ai changé un petit peu les paroles et j'ai fait une sorte d'adaptation qui est un couple qui se déchire, mais qui a un enfant. Et cet enfant va appeler sa mère pour qu'elle revienne. Voilà, donc on a un passage qui est extrêmement touchant, joué en harmonique par le grand Jean-Félix Lalanne, qui est aussi un champion de la guitare. Je dois dire que sur ce disque, je suis gâté. J'ai vraiment des grands maîtres de la guitare. Je dois dire que ce passage-là où Malena chante et demande à sa maman de revenir, « Oh maman, ma maman, la 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 » et on entend cette fillette avec, sur les harmoniques de cette guitare ténor. Donc Jean-Félix utilise une guitare ténor, c'est une guitare spéciale, et avec une sonorité très très belle. Et l'arrangement est magnifique. Avec Yvan, on a vraiment vraiment fait un travail très très fort. On s'est rencontrés bien à l'avance pour pouvoir peaufiner toutes ces atmosphères. Et on a vraiment une chanson qui est très touchante. J'ai voulu vraiment avoir une fête, retrouver les gens avec le goût du rythme, de la gaieté, de la danse. On retrouve tout ça. C'est un mauvais garçon, il a des façons pas très catholiques. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un méchant petit gars qui fait du dégât sitôt qu'il s'explique. Ça joue du poing de la tête et du chausson, un mauvais garçon. Alors on a aussi la Pologne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui je suis donc marié à une Polonaise qui est aussi une chanteuse. Et j'ai voulu aussi souligner cet aspect-là, puisque la Pologne a toujours eu un lien très très fort avec la France. On le sait avec Napoléon, mais on le sait aussi dans la musique avec Chopin et bien, bien d'autres musiciens. Donc là, j'ai choisi une chanson très très drôle, polonaise. Donc je chante en polonais avec mon épouse. Et la deuxième partie, j'ai fait un texte français pour que les gens puissent comprendre un petit peu ce qui se passe, même si on va l'expliquer. Et c'est une chanson très drôle d'un couple qui lui est très gaffeur
et elle qui dit écoute, tu peux faire ce que tu veux, mais on ne m'y prend pas. Voilà, donc c'est et c'est d'une gaieté incroyable, puisque c'est en même temps très dansant et c'est très contagieux, quoi. C'est d'une gaieté contagieuse. Un disque un peu qui brasse large dans les nationalités et dans les identités et qui font la France d'aujourd'hui. Ce que j'ai voulu aussi, c'est qu'il y ait une sorte de continuité. C'est-à-dire qu'on peut l'écouter sans pause. Voilà, on pourra bien sûr passer les tracks, il y aura quand même les tracks, mais les musiques vont s'enchaîner avec les tonalités. On a fait une sorte de trait d'union entre tout le... Comme si c'était presque une comédie musicale et qu'on écoutait toute cette histoire. Voilà, c'est ce que j'ai voulu construire. Je suis ravi de faire ce disque. C'est un disque important dans ma carrière, je pense. Mais je crois aussi qu'il peut surprendre, après ce que nous avons vécu, après ce confinement, de retrouver Roberto dans un autre style qu'on attendait peut-être un peu moins. C'est encore un disque où on voit un peu le plaisir que j'ai à traverser les styles, le plaisir que j'ai à faire découvrir ma passion et mon amour de la musique et le partager avec le plus grand nombre. Et c'est fini.